بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La divergence n'est pas une preuve. La preuve, c'est la preuve. Je pense que le titre est déjà suffisamment explicite et pourrait se suffire à lui-même si les gens avaient quelques bases dans les fondements, dans les usul, na'am, et quelques bases de raison saine et de bonne foi. Quand je dis de bonne foi, c'est d'honnêteté intellectuelle même. Hein. Car on ne peut pas admettre qu'une divergence soit une preuve en soi. Avec un exemple simple de la dunya que je vais vous donner immédiatement. Et que la preuve, c'est la preuve. Hein. Par exemple, quelqu'un, il y a un incident dehors. Quelqu'un s'est fait frapper. D'accord ? Et puis, on dit, on cherche la vérité. Donc on vient questionner les gens. Puis des gens nous disent, Naam, c'est un tel qui lui a mis un coup dans la jambe. Hein ? Puis, d'accord ? Un autre dit, non, il est tombé, finalement, personne ne l'a frappé, il s'est fait ça tout seul. Il y a forcément quelqu'un qui dit juste et quelqu'un qui dit faux. Il ne peut pas être tombé et s'être fait mal tout seul et avoir été frappé à la jambe. Ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas arguer de la divergence. Non, il y a divergence. Non seulement il est tombé, puis il s'est fait frapper aussi. Ça n'existe pas. Et oui, il s'est passé quelque chose. Il y a quelqu'un qui dit vrai, il y a quelqu'un qui dit faux. Il y a quelqu'un qui est sur la vérité, il y a quelqu'un qui est dans l'erreur. Pour la dounia, on arrive à admettre ces choses-là. Et pour le din, les gens se cachent derrière cela. C'est pour ça que brièvement, je vais essayer d'expliquer cette notion, car c'est une notion mal comprise. Bon, par la masse, bien sûr, par les sectaires, bien évidemment, qui en font exprès, mais aussi par certains salafis débutants et ignorants, qui se réfugient, bien souvent, derrière cette divergence. Mais le pire, c'est les sectaires. Les gens de la masse et les salafis débutants et ignorants, c'est peut-être des fois de bonne volonté. C'est-à-dire, ils savent pas, ils disent, bon, il y a divergence, voilà. Ils connaissent pas. Ils savent pas que, on peut pas comme ça dire, s'il y a divergence, c'est pas une preuve. Moi, je veux le hadith, je veux la parole du prophète, je veux quelque chose de clair. Je veux quelque chose de très clair. Et on peut pas dire, non, comme ça, il y a divergence pour suivre ses passions. Mais des fois, c'est des gens qui ne savent pas. Les sectaires, ils savent très bien. Mais eux, c'est pour mettre le flou et les ambiguïtés dans le cœur des gens et pour faire suivre tout et n'importe quoi. Hein. Donc la base des bases, c'est que la divergence n'est pas un dalil, donc une preuve. Hein. Et on ne peut pas tout justifier aussi à base de divergence. Sinon, on en vient à dire, chacun fait ce qu'il veut. Comme dit Mohamed Badjarafil, l'ignorant égaré et Mubtadir, hein, qui dit, tant que t'es heureux, tu suis la vie que tu veux. Suis ce que tu veux dans les divergences, tant que t'es heureux. Subhanallah. Donc moi, je peux en toute tranquillité, mettre un short, fumer la cigarette, écouter la musique, marcher avec une femme à côté de moi, parce que il y a des divergences, et j'ai été puisé dans plein d'avis de savants, soit des savants égarés, parce qu'ils se basent sur les savants de la Sunna, ces gens-là, pour dire qu'il y a divergence, mais aussi des fois ils se basent sur la parole de savants, pseudo-savants, complètement égarés. Donc tu choisis tout le monde, et généralement tu choisis que parmi les gens de la sunna, parmi les savants si tu veux honnête premièrement. Et même parmi eux, tu suis la preuve ensuite par rapport à cela. Ce qu'ils ont dit de juste, tu ne les suis pas. Il t'est interdit de suivre même Abu Bakr dans l'erreur. C'est interdit, c'est que le prophète Aïssalatoussalem qui ne se trompe pas. T'es interdit de suivre un compagnon dans l'erreur, et il y en a des compagnons qui sont trompés. Il t'est interdit de suivre Imam Ahmed dans l'erreur. Que dire de Cheikh Uthaymin, que dire de ton imam, que dire. Donc ça, c'est parmi déjà les gens de la sunna. Tu dois les suivre. Mais tu dois les suivre aussi dans la vérité, par rapport à la preuve. Mais que dire après de faire quoi? De suivre parmi tout le monde. Et quelqu'un égare, il ouvre la bouche, il y a une divergence. Il y a quelqu'un qui s'est autoproclamé savant, il a parlé, donc il y a divergence, je prends. Donc je vous dis, à ce tarif-là, dans 1400 ans d'ère islamique, parmi tous les gens qui se sont revendiqués savants, à juste titre, ou à tort, d'accord, faussement, eh ben je vais puiser tout ce qui me plaît. Donc je suis heureux, comme dit Barjafil, ou comme dit Khouissel, tu fouilles parmi les avis des savants. Et puis, ils n'ont pas parlé sans dalil, hein, forcément, hein, comme ils disent. Hein. Ils n'ont pas parlé sans dalil, ils ne se sont jamais trompés. Hein, non, ils les prennent pour des prophètes infaillibles ou je ne sais pas quoi. Hein.
Donc tu prends et puis tu seras forcément sur la vérité. Donc je vous dis, bon, ok. Donc j'écoute la musique, cigarette au bec, une bière aussi, parce que selon certains hanafites, ce type d'alcool, la bière, était reconnu comme licite. Donc une bière à la main, une fille à mes côtés, puisque la mixité est autorisée, un short. Le short, la cigarette, la bière, le poste avec le hip-hop dans les oreilles, la fille, et mashallah, ça, donc là je suis muslim, là c'est mashallah, je suis sur la sunna là. Là je ressemble aux compagnons, radiallahu anhum, subhanallah, subhanallah, s'il n'y a pas un cerveau sain qui peut accepter cela. Pourtant c'est ce que les sectaires, bien sûr, pas sous ces formes là, parce que là c'est très grossier, mais c'est ce que vers quoi les sectaires vous mènent. Quand ils disent, bah, tant que t'es heureux, prends ce que tu veux comme avis, hein, voilà. Donc là, il y a des, dans tout ce que j'ai dit là, il y a réellement des avis qui autorisent. Il y a des avis. On peut trouver des avis qui autorisent la cigarette, qui autorisent la bière, qui autorisent le short, qui autorisent la compagnie d'une femme, qui autorisent la musique. Donc à ce moment-là, le fait de raser sa barbe. Voilà à quoi je ressemblerai. Et tout ça en allant puiser à droite à gauche. On voit bien que c'est pas crédible. Pas absolument, absolument pas crédible. La divergence, faut la comprendre déjà à la lumière de cause. Hein. Il y a deux types de divergences. Hein. Il y a la divergence de pluralité, hein, de pluralité, et la divergence de contradiction. Donc dans la divergence de pluralité, on a le choix. C'est comme parmi les invocations. Il y a des divergences parmi le fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait au tashahhud un tel, ou en recours un tel invocation. Et même des fois, il alternait. Tu choisis là-dedans. Tu choisis. Makesh mushkil. Toi, tu choisis la plus facile pour toi, ou tu choisis celle que tu as appris seulement, et il n'y a pas de mal. Et tout ça, c'est rapporté, tout ça, c'est authentique, c'est la divergence de pluralité. Il y a des divergences par rapport à cela, un coup il faisait comme ci, un coup il faisait comme ça, il a fait comme ci, il a pas fait comme ça, etc. C'est rapporté, c'est authentique, tu choisis. Là, on n'a pas de problème là-dessus. Là, on a un problème, c'est dans la divergence de contradiction, il y en a. Donc, dans la divergence de contradiction, tu te dois, c'est pas une option, c'est une obligation, tu te dois de suivre les preuves. Car il ne peut pas y avoir de vérité. C'est juste impossible. Pour le raisonnement humain, c'est impossible, comme je vous ai dit, par rapport à l'affaire. Hein, c'est là, le ciel, soit il est bleu, soit il est rouge. Il peut pas être... Il y a divergence. Il y en a disent qu'il est bleu, il y en a disent qu'il est rouge, le ciel. Il est bleu, on le voit comme bleu. Il est pas rouge. Ceux qui disent qu'il est rouge, c'est faux, ils se sont trompés. On peut pas dire qu'il y a divergence. D'accord ? C'est soit, donc, dans le din, pour revenir à notre din, naam, c'est soit c'est halal, soit c'est haram. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais il n'est pas possible que deux choses contradictoires soient vraies. C'est impossible. Comme pour le voile, par exemple. Là où je me suis fait taper dessus, parce que j'ai dit, et je le dis et je le maintiens, que ceux qui maintiennent que la femme peut se découvrir les mains et le visage sont dans l'erreur. Quel que soit leur rang dans la science, ils se sont trompés. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule et même vérité. Et au vu des preuves qu'on a, et c'est ce que les savants ont rapporté, il s'avère clair que la vérité est que la femme doit couvrir son visage et ses mains. Ça, c'est le voile légiféré de la femme musulmane. Pas plus, pas moins. Donc ceux qui disent que le djellbeb, visage découvert et mains, c'est mashallah, et qu'ils arguent en disant « Cheikh Albani a dit, il y a divergence », c'est pas permis de se réfugier derrière l'avis erroné de Cheikh Albani. Par exemple, donner l'exemple du voile. C'est pas possible que deux choses contradictoires soient vraies. Tu peux pas dire que le visage découvert, c'est une vérité, mais le visage caché, c'est aussi une vérité. C'est deux choses qui... L'un il est caché, l'autre il est découvert. Comment c'est les deux, c'est la vérité. La vérité, comme dit Cheikh Aslan, Hafidallahu Ta'ala, elle est orpheline. Orpheline. Seule. Donc il n'y a pas deux vérités là-dessus. D'accord ? Et on pourrait parler comme ça de tous les sujets où il y a divergence. Il y a forcément un parti, plusieurs savants, ça veut dire, ou un seul savant, s'il est tout seul, qui s'est trompé. Et un cas juste. C'est tout, c'est comme ça. Khalas. Et ça, c'est empirique comme raisonnement. C'est pas du din. C'est comprendre les choses, comme je vous ai dit, avec l'exemple du ciel bleu ou rouge. Et logique. Donc c'est pas toute divergence qu'il y a à prendre en compte aussi. Hein. Il faut qu'elle soit aussi fondée sur des preuves. Et là, notamment par rapport au voile aussi, Cheikh Albani, c'est basé sur un hadith faible, qui n'est pas authentiquement rapporté par rapport au prophète Aïssa al-Sulam. Hein ? Donc ça, comment on peut se baser sur ça pour dire que la femme peut découvrir son visage, alors qu'il y a des dalils forts qui montrent qu'elle doit le couvrir. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Mais après, les gens prennent ça pour un manque de respect envers Cheikh Albani, et on va clarifier en fin d'audio, Inch'Allah. Enfin, plus tard, là. Très bientôt. Donc, si c'est le cas, c'est-à-dire si la divergence est fondée sur des preuves, si c'est le cas, s'il y a un duel de preuves, c'est-à-dire que vraiment, on a du mal à discerner, surtout nous, hein, nous ne sommes pas des grands savants, etc. Donc on voit, on nous rapporte des preuves des deux côtés. Ils ont dit ça, comme par exemple pour la prière.
Je suis pas là pour parler de ça, mais le délaissement de la prière, mécréant ou musulman ? J'ai mon avis tranché sur la question, j'ai aussi vu les preuves par rapport à cela. Je suis d'avis que celui qui délaisse la prière, au même titre que celui qui délaisse le jeûne par paresse ou zakat par paresse, hein, mais reconnaît son obligation, reste musulman. Beaucoup de savants disent qu'il est mécréant. Pour moi, c'est pas authentique. Ils ont ramené leurs preuves, d'accord ? Mais de l'autre côté, les autres preuves sont beaucoup plus convaincantes et beaucoup plus claires. Tout simplement. Voilà. Donc quand il y a des duels de preuves, alors on penche vers le plus authentique, le plus fort, le plus juste, selon nous. Parce que selon qui autre que nous ? Les savants, ils ont parlé. Oui, mais quand tous les savants ont parlé, et quand on interroge les savants, des savants, et qu'ils disent toujours, il y a divergence. Il y a divergence sur Naam, Yarni, la salat, le délaissement de salat par paresse, hein, par le fait de dire qu'elle n'est pas obligatoire, il n'y a pas de doute. Ils ont tous été, il y a Ijma pour dire que celui qui dit que prière n'est pas obligatoire, c'est un mécréant. Mais celui qui dit, elle est obligatoire, mais je suis un gros paresseux, je la fais pas. Il est mécréant ou il est musulman ? Depuis, il y a divergence. On fait comment ? On ne peut pas dire ramène à un plus grand savant. Tous les grands savants ont débattu par rapport à cela. Mais il faut bien trancher, nous. On regarde, si on est en mesure bien sûr de comprendre les preuves, sinon on se doit de suivre l'avis qui nous parvient. Si on a eu l'avis et on n'a pas vu d'autres avis, hein, ben, il nous dit par exemple qu'il est mécréant ou qu'il nous dit par exemple qu'il reste musulman, c'est le seul avis qui nous est parvenu. On n'a pas la science pour aller étudier les preuves, on doit suivre un avis, on n'a pas le choix. C'est le suivi autorisé ça, c'est le suivi autorisé, le suivi entre guillemets aveugle autorisé. C'est que quand t'as pas la possibilité de voir. Mais si t'as la possibilité de comparer, et de nos jours, surtout avec internet, surtout avec cette époque où toutes les preuves ont été ramenées, on a la possibilité de comparer. On a cette chance, walhamdulillah rabbil alamin, on a cette chance de pouvoir comparer. Et pas de doute qu'on a comparé par rapport à ce cas. Les savants ont parlé, tout le monde a parlé, et on voit. Et on voit qu'est-ce qui est plus fort, qu'est-ce qui est plus juste, qu'est-ce qui est plus authentique. Mon avis, mais c'est pas le mien, c'est l'avis de savants, c'est que celui, par paresse, qui délaisse salat, reste musulman quand même. C'est comme s'il avait délaissé zakat ou jeûne, etc. D'autres disent qu'il est mécréant. Voilà. Donc quand il y a duel de preuves, déjà on prend en considération la divergence, on dit oui, il y a une vraie divergence, parce qu'ils ont ramené des preuves des deux côtés. On dénigre pas, on dit pas, de l'autre côté, ils ont pas de preuves, mais on se doit de pencher, quand même, vers l'avis le plus fort et juste, et donc pencher vers une seule et même vérité. Pour moi, d'accord, c'est aussi l'avis de Cheikh Albani. Vous voyez, juste avant, je viens de dire qu'il a tort, et juste après, je dis qu'il a raison. Comme quoi, c'est ni un acharnement, ni un suivi aveugle de Cheikh Albani. C'est suivi de la preuve. Quand Cheikh Albani voit juste, on dit Cheikh Albani a juste. Quand Cheikh Albani s'est trompé, on dit Cheikh Albani s'est trompé. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un prophète. Il peut se tromper. Rahimallahu ta'ala. Donc ça, il faut que ce soit compris. Donc, et bien évidemment que dans mon cœur, je suis persuadé que ceux qui disent que celui qui délaisse la prière est un mécréant, se sont trompés, sont dans l'erreur. Ils ont ramené leurs preuves, on les respecte, hein. Mais je peux pas, tout comme voilà, par rapport au voile, ce que j'ai cité avant, je peux pas dire que l'avis qui dit que le visage découvert est correct, ils sont corrects. Non, pour moi ils sont dans l'erreur. Ben, je peux pas dire, en étant convaincu que celui qui délaisse une prière par paresse reste musulman, je peux pas dire qu'il est peut-être mécréant aussi. Moi-même, je serais pas logique avec moi-même. C'est-à-dire que j'aurais, vous voyez, arguer de la divergence en permanence, c'est finalement ne jamais être convaincu d'une chose. Être toujours comme ça en suspens, c'est pas sain déjà. Tu sais jamais vraiment. Oui, non, bon, les mécréants, les pas mécréants. Faut prendre position. Bien sûr, faut étudier la science. On parle pas comme ça. Mais quand on commence à savoir comparer les preuves et regarder, il faut prendre position. D'accord ? Donc, dans tous les cas, on respecte les avis. Quand je dis yani, les avis, c'est les savants. Hein ? On affirme la vérité, par exemple là, ce que j'ai dit par rapport au voile, ce que j'ai dit par rapport à la prière, puis on dit que ceci, donc tel avis est faux, si c'est clair. Si c'est clair et que, voilà, les preuves elles sont là, il y a eu un duel de preuves, etc. Si c'est clair. Hein. Et on respecte quand même les savants, on les dénigre pas. Parce qu'il y en a qui dénigrent aussi, à la suite de ça, les savants qui se sont trompés. Ça c'est pas correct non plus, c'est une exagération. Il y a le suivi aveugle, mais il y a aussi le dénigrement. Nous on est ni dans le dénigrement, hein, les gens du juste milieu de la sunna, ni dans le dénigrement, ni dans le suivi aveugle. D'accord. Et puis parfois aussi, il y a aussi, clairement, un savant s'est trompé, mais clairement, il est tout seul, et toutes les preuves, même pas une question de duel, c'est qu'on voit qu'il a ramené aucune preuve claire, là, on se doit carrément de suivre la vérité, et tout le monde, personne ne peut arguer d'une même divergence, d'un respect d'une certaine divergence, il n'y a aucun respect pour une divergence quelconque. On respecte même le savant qui s'est trompé, bien sûr, comme Ibn Hazm avec la musique, mais jamais on peut dire, commencer à étudier, attends, on va quand même regarder un petit peu, non, c'est clair. Il y a Ijmar sur la musique de l'autre côté. Et il y a lui tout seul qui dit que la musique est licite. Dans ce cas-là, on ne prend même pas le temps de dire, bon, il y a duel de preuves, alors on va voir, on va comparer, il n'y a rien à comparer. Subhanallah. Il n'y a même pas d'études à faire. C'est clair, la musique est haram. Donc là, on réfute. Et quand il n'y a pas de preuves claires et explicites, ça arrive, comme la photo.
Hein, c'est une grande guéguerre entre les gens de la sunna aujourd'hui. Ils n'ont pas déjà appris la aqida, les fondements du manhaj, les usul, non, les, tout ça, les fondements du din, ils n'ont pas. Mais par contre, ils se font la guerre, et quand je dis guerre, le mot est faible, hein, mes frères et sœurs, et c'est triste, ils se font la guerre pour, pour la photo. Très grave, c'est dramatique, ils font des albaras entre eux, voilà, donc c'est n'importe quoi. Alors que, et je demande que ça, de voir une preuve claire, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de preuve claire et explicite concernant la photo. C'est, des savants ont pris des ahadiths, les ont interprétés comme quoi ça concernait la photo, d'autres savants ont dit, ces ahadiths-là ne visent pas la photo. Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est pas clair. C'est pas comme la musique. La musique, il y a des preuves claires. La barbe, il y a des preuves claires. Pantalon au-dessus de la cheville, il y a des preuves claires. Etc. Salat aussi, comme j'ai dit par rapport à celui qui la délaisse par paresse, il y a des preuves claires. Voile, il y a des preuves claires. Photo, il n'y a pas de preuves claires. C'est une interprétation. Rentrez la photo là-dedans. Certains disent que c'est une capture, une queue, c'est une, le fait de reproduire la création d'Allah. D'autres disent que c'est juste une capture de la création d'Allah. À partir de là, on peut donc pencher vers ce qu'on veut, entre guillemets, parce que quand il n'y a pas de preuves, bah on va vers ce qu'on pense juste. Hein. Et ce n'est pas un secret, j'ai toujours dit mon avis est que la photo est halal. Pour moi, j'ai aucun stress, aucun problème à dire que la photo est halal, parce que des savants ont parlé, mais pas parce que des savants ont parlé, parce que auquel cas ce serait n'importe quoi, et je contredirais, tout le sujet de mon audio. Ah, un savant a dit, donc on peut suivre. On s'en fiche qu'un savant ait dit, nous on veut le dalil. On s'en fiche que tel savant ait parlé, peu importe que tel savant a parlé. On se cache pas. Là, je me cache pas derrière Cheikh Bezmoul ou Cheikh Louhaidan ou Cheikh Intel pour dire que, parce que c'est eux qui ont dit par exemple que la photo était halal. Je me cache pas derrière eux. C'est que leur avis me semble le plus fort et le plus juste puisqu'il n'y a pas de preuve claire. Et retenez bien ce que j'ai dit. C'est uniquement en cela qu'on se, entre guillemets, se réfugie derrière l'avis d'un savant et se range, hein, et se met d'accord sur l'avis d'un savant. C'est quand il n'y a pas de preuve claire. Quand les preuves sont claires, on s'en fiche qu'un savant ait parlé. Si la preuve est claire et qu'il y a 999 savants, d'accord ? Quand on dit le contraire, on penchera derrière du côté de la preuve claire. Même si parmi ces savants-là, il y a des sommités. Et que de l'autre côté, il y a 4 savants qui ont dit autre chose. Certaines personnes vont dire « la majorité ». La majorité n'est pas un suivi obligatoire. Souvent, la majorité des savants ont raison, mais c'est pas à suivre systématiquement. C'est pas parce que la majorité des savants aurait dit quelque chose. Si la preuve contredit la majorité des savants et qu'il n'y en a que 4 qu'on dit vrai, alors on suit les 4. Parce qu'on a suivi la preuve au niveau des choses là. On se doit d'observer les preuves. Là, jusqu'à preuve du contraire, désolé, mais il n'y a aucune preuve authentique et claire sur la photo. Donc, dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, on peut se ranger du côté d'un savant parce que, voilà, au niveau de ce qu'il a dit, il a fait un raisonnement juste, etc. Sinon, c'est la preuve. Et on se fiche du savant, sans manque de respect, hein, on se fiche de qui a dit quoi. Je vous ai dit juste avant. J'ai été contre Cheikh Albani pour le voile et je suis pour Cheikh Albani pour la salat. C'est, je ne suis pas un albaniste. Je ne suis pas Cheikh Albani aveuglément. J'étudie ses raisonnements, ce qui ramène comme preuve, et je tranche. Non. Voilà. Un savant qui se trompe, il donne son avis. Hein. Et s'il est faux, il est faux. Il a donné son avis, alors respect à lui. Hein. Il aura une récompense, pas pour s'être trompé en soi, mais pour avoir fait l'effort de chercher. C'est ça aussi que les gens ne comprennent pas. Quand tu suis un savant qui a eu tort dans son ijtihad, toi, t'as des péchés pour le suivre dans l'erreur, parce qu'il y a des preuves claires qui le contredisent. Lui, il a fait ce qu'il pouvait. Peut-être qu'il n'était pas parvenu les preuves, peut-être qu'il ne les avait pas compris, peut-être qu'il avait oublié, peut-être que. Il y a des multitudes de possibilités. Il n'est pas parfait. Il peut oublier, il peut ne pas connaître, il peut se tromper. Oui, un savant peut se tromper, peut ne pas connaître, il ne connaît pas tout. Il n'a pas la science parfaite, il n'a pas la science infuse, il peut oublier, il n'a pas une mémoire infaillible, et il n'est pas parfait, ce n'est pas un ange, d'accord ? Donc, il peut avoir des manquements, d'accord ? Même parmi les grands. Oui, mais Malik, c'était concernant un avis de perte, et j'ai oublié maintenant ce que c'est exactement, le sujet, mais un de ses élèves l'a rectifié. Parce que Malik a dit, à ce sujet-là, par rapport au fait de faire cela, si, non, voilà, au fait de se frotter les doigts, entre les doigts quand on file l'eau, vous savez, frotter les doigts avec l'eau, entre les doigts, il a dit qu'il connaissait aucun hadith concernant cela. Ça, c'est la parole de Malik. L'imam Malik, hein. Et un de ses élèves l'a contredit en disant, voilà, il y a un hadith qui dit par rapport à cela. Il a dit, ok, alors on suit le hadith. Juste avant, il venait de dire, je dis qu'il n'y a pas de hadith à ce sujet-là, donc on ne fait pas. Vous comprenez? Donc il savait pas. Il avait un manquement dans la science. Ça ne veut pas dire qu'on le dénigre. C'est tout. En fonction de ce qu'il a reçu, ou de ce qu'il a pu comprendre, le savant a son rang de savant. Il le garde. Il a tout notre respect. Et Allah Azza wa Jalla, regardez la miséricorde. Il ne sait même pas, il lui donne.
pas de péché. Oui, déjà, il lui donne pas de péché. C'est même pas, il lui donne rien. Non, il lui donne pas rien. Il lui donne une récompense quand même. Et s'il a juste, il a deux récompenses. Et s'il se trompe, il a une récompense. Pourquoi? Car il a un statut de savant. Déjà. Parce qu'il a fait l'effort. Et qu'il a fait tout ce qu'il pouvait, voilà, à faire travailler sa foi et son esprit, et à rechercher la preuve. Il a pas pu. Il y avait beaucoup de preuves qui sont pas parvenues à Abu Hanifa. Voilà pourquoi il est beaucoup dénigré par les ignorants aujourd'hui. Il s'est trompé de nombreuses fois, Abu Hanifa. Rahimallahu ta'ala. Mais c'est un grand savant qui aura toutes ses récompenses. Parce qu'il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait, dans le contexte dans lequel il vivait. Tu peux pas comparer cela aujourd'hui à quelqu'un qui, toutes les preuves sont sous ses yeux. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Donc, lui, il donne son avis. Il a juste, il a deux récompenses, comme je viens de dire. Il a tort, il a une récompense. Par contre, toi, tu te dois de suivre la preuve. Si tu le suis quand même dans son erreur, toi qui as vu les preuves, toi, tu as le péché si tu le suis quand même. Ça, j'espère que c'est bien compris. Ça, c'est la croyance authentique des gens de la Sunna concernant ce sujet. Ramenez ça à qui vous voulez, vous le diront. Il n'y aura pas un mot qui va être enlevé. C'est exactement ce qui est rapporté par les gens de science. La preuve, et dalil. La vérité, comme j'ai dit, est que d'un côté. Donc, peu importe quel savant a parlé, on suivra toujours la preuve. Et je me répète une dernière fois pour que ce soit bien clair, pour clôturer, ce n'est pas un manque de respect envers le savant que de rejeter son avis. Alors qu'on entend Shafi'i ou autre, Abu Hanifa, tous ils ont dit dans le sens de leurs propos. Si ma parole entre en contradiction avec la preuve, jetez ma parole contre un mur. Et aujourd'hui, on nous demande de suivre l'avis de certains pseudo-savants égarés ou l'avis de savants contemporains bien guidés mais qui ont tort, ou l'avis même d'anciens mais qui ont tort. Ça contredit le manhaj salaf. C'est pas la salafia, ça. Ce n'est pas la salafia. Ce n'est pas un manque de respect envers le savant en question de ne pas suivre sa parole ou de rejeter sa parole. Il n'y a que la parole du prophète, alayhi salatu salam, qu'on suit. Tout le reste, pas forcément. C'est plutôt un suivi de la preuve, avant tout, et c'est ça le manhaj salafi, et non un attachement fanatique de l'homme. Car tout homme pieux, et même savant, ajuste et se trompe, comme dit Sharif Emin, rahmallahu ta'ala, tout homme, même pieux et savant, ajuste et se trompe aussi. Et puis, chaque secte, parmi les égarés, ou même parmi les personnes qui se disent salafis, prétend détenir la vérité tout le temps. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui tranche, qui tebe ou sunna pour nous départager. Car tout le monde se prétend sur la vérité. Et les shia, les sharia, les ahbesh. Hein, les salafis aussi disent. Parce que nous, les salafis, on ramène quoi? La preuve. Nous, on ramène la preuve. C'est ça notre suivi, le manhaj. C'est le suivi de la preuve. Si, oh, chers frères et sœurs salafis, vous détournez de ce suivi de la preuve au profit d'autres choses que je viens d'évoquer dans les choses blâmables dans cet audio, alors vous vous détournez de la salafia. Ce qui fait notre particularité et qui fait qu'on est sur la vérité, c'est qu'on s'attache à la preuve. C'est pour ça qu'on peut arguer de la vérité et dire nous sommes sur la vérité, Inch'Allah. Car on suit la preuve, les preuves. Car chaque secte, mais même les athées prétendent être sur la vérité. Tout le monde prétend être sur la vérité. Oui, mais où sont les preuves? Voilà. Tout simplement. Donc n'importe quelle secte en islam, pour rester avec les gens de l'islam en tout cas, dira que voilà. Parce que si je commence à parler des sectes hors islam, c'est encore un autre sujet, un autre débat. Mais ceux qui vont dire nous sommes sur l'islam, ils vont toujours dire Qur'an Sunna. Certains, même à notre époque, disent selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Oui, juste par prétention. Où sont les preuves de cela? Et tu les vois contredire les pieux prédécesseurs. Tu les vois contredire le Qur'an et la Sunna. Tu les vois contredire Kitab wa Sunna ou Sarf Sarih. Où est donc la véracité de leurs propos? C'est juste une prétention. Pourtant, ils prétendent à la vérité. Soufis, ils disent ils sont sur le haq. Comment on fait? Tu as des... On m'a questionné hier encore, un jeune homme était désemparé, parce que c'est un jeune salafi. Alors, le préserve. Et il est dans sa mosquée, il y a beaucoup de gens de la masse qui accueillaient un certain Corentin quelque chose. J'oublie son nom de famille, qui est un charia connu, qui sème les ambiguïtés, qui réfute les gens de la Sunna en France, etc. Enfin bref. Il va être accueilli dans sa mosquée. Et lui, il a dit non, voilà, il m'a questionné, je lui ai dit non, faut absolument pas le suivre, c'est un danger, etc. Puis lui, quand il va leur dire ça, il dit oui, mais ils disent toujours, faut pas se diviser, sinon on suivrait plus personne, on prend le bien, voilà, et puis, oh, mais allez, je t'en conquois, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tant qu'on suit le Coran, nous on suit le Coran, on prie. Ils suivent pas le Coran, c'est pas vrai. S'ils suivent le Coran, ces gens-là, s'ils suivaient vraiment le Coran, alors ils appliqueraient le verset qui dit, dans le sens des versets, suivez le messager. Suivez le messager et obéissez-lui. Ils sont où, il est où le suivi de la sunna de tout ça? Ils en sont où de tout ça? C'est des prétentions. Les shi'as, on suit le Coran et la sunna. Ah bah, dans le Coran et la sunna, il y a énormément de choses qui les contredisent. Les soufis, c'est pareil. Nous, on suit le Coran et la sunna. Les ahbesh et les ashariyas se disent sunni. 100% sunni. C'est même eux les seuls vrais sunni. Ils contredisent énormément la sunna. Les gens de la masse, ignorants de la mosquée, de je ne sais quelle secte, des fois ils en ont même pas, ils piochent un peu partout, ils sont à peu près dans toutes les sectes.
Masakin, car les guides, ils ont une croyance de ceci, un adep de cela, subhanallah, voilà, ils font tel bid'a de ceci, ils mélangent tout. Ils mélangent un peu tout, ça existe ces gens-là. Malheureusement, par ignorance, vous voyez, l'importance de la science et le danger de l'ignorance. Danger énorme de l'ignorance par rapport à cela. Eh bien, ils diront toujours Qur'an et Sunna, mais il n'y a pas le Qur'an et la Sunna en eux. Donc j'insiste vraiment bien, mais ce n'est pas une prétention de se dire salafi, ni d'être sur le Qur'an et la Sunna. La preuve. Ton manhaj, c'est Ad-Dalil. Tu es quelqu'un, à mes yeux, quand tu auras Ad-Dalil. Et tu auras une crédibilité, je pourrais dire, on suit, etc. Toujours parler avec preuve. Sinon, tout le monde peut raconter tout et n'importe quoi. Et n'importe qui peut se prétendre sur la vérité. Hein? Voilà, le suivi du Dalil avant tout, et pas le suivi des savants, car ils peuvent se tromper. Et j'espère avoir été clair et bénéfique. Transmettez cela aux gens qui sont parfois... fermé à ce genre d'idée, peut-être que parce que ça leur a pas été assez bien expliqué ou je sais pas. Hein? Voilà. Allahu ta'ala ahlam wa ahkam. Subhanaka humma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.